Testo. So chercher de la pierre. Comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir beaucoup, 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 beaucoup de pierre. Tant qu'on n'aura pas cette production de pierre, on ne peut pas faire la ville. Parce que... atroce le nombre de pierres qu'il va falloir. Bon, de la pierre, des vitres, c'est... C'est pour ça qu'on va faire toutes les productions automatisées pour... ben, pour être moins emmerdé possible, quoi. Tant que ça se fait, je peux aller encore en rechercher. Lorsque ça risque pas de dégueuler, j'ai beaucoup mis beaucoup plus de coffres réception que pour y aller. Ça risque pas de dégueuler.
Gitan 123, bienvenue sur live. Salut, salut, bienvenue. Pas mal de pierres qui se font, c'est sûr que j'aurais pu faire plusieurs fours. Ça sert pas grand chose. Ça va tourner en permanence, donc ça va faire de la pierre en permanence. Que je peux faire, un truc que je peux faire. À la prod. Par contre, au niveau électricité, ça va bouffer. Mais bon, je peux le faire. Il va aller. Ces trucs-là. Vais pas le faire parce que on bouffe toute l'énergie. Déjà l'énergie on n'en a pas autant que ça. Il faut qu'on modifie notre centrale nucléaire. Enfin, déjà il faut qu'on en fasse une. Ils sont vides. C'est vrai que j'avais dit c'est un coffre. Donc pour les barres d'uranium, je suis obligé de les me mettre comme ça. Le problème, c'est que c'est radioactif. Et si je fais pas ça, je meurs en fait. Vous voyez, je suis la radiation, donc galère pour ça. Pour ça, il faut mettre des habits spécifiques, mais on n'a pas encore vu comment que ça fonctionne. Comment que ça fonctionnait, j'ai des petits estomacs qui me fait des petits pas qu'on regarde. Je sais même pas quelle armure que c'est, je crois que c'est le con. En fait, quelle combinaison? Que les barres, c'est pour l'instant, c'est pas une grosse grosse production. Je suis radioactif. Et si je meurs en fait? Je me retire avant. Donc là on a une production de 280 AU par temps. Le réacteur est assez stable. On peut voir qu'il y a une production. Hein. Hop. Donc
direct là-bas. Ça augmente au lieu de baisser que comme tout à l'heure. C'est nickel. Bon, j'ai vu pop les barres de radioactifs, tout simplement parce que pour l'instant on n'a pas encore de production de barres d'uranium, mais dès qu'on a la production d'uranium, c'est pour ça que je les ai laissées ici. Dès qu'on a la production, on va jeter tout barre d'uranium qu'on aurait utilisé d'avance, quoi, auparavant. Et Mylan a noté les barres d'uranium avant qu'on a eu. Alors, jeter la quantité qu'il faut. Donc là, c'est cool. On va laisser produire maintenant. On va faire la production de vitres. Déjà, on va prendre du sable. Faire des blocs comme ça. Parce qu'on va en avoir besoin. Ça, c'est fait. Après, on a besoin un interrupteur Ariston. Oh, on a besoin des tuyaux. On va prendre après. On a besoin des tuyaux. De craft automatique, bon, bien sûr. On a besoin des deux panneaux. On a besoin des coffres. Coffres, ils sont. Mais pour l'instant, ça doit être bon. Donc, on s'est pas posé coffre passe. Donc là il y aura le sable. Sable. Hop, tu envoies. On fait sortir le sable avec moteur. Moteur ici. Si on va mettre le gré avec l'interrupteur. L'interrupteur bonne le sable y sort, c'est de mettre pour. Pourquoi je fais ça? Parce que câble.